Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo. En fait, bonjour. J'avais le goût de vous montrer quelque chose. Je suis allée me promener sur AliExpress. J'adore aller là. Des fois, je trouve des petits bijoux. Et là, j'ai trouvé des espèces de petits anges qui vendaient 10 pour 4 $ environ. Et quand j'ai vu les petits anges, j'ai dit, ben, attends un petit peu, j'ai tout ce qu'il faut, moi, ici. Alors, je vous montre mes petits anges en question. Attendez un petit peu, je vais essayer de mettre quelque chose de plus foncé en arrière. Et voilà. Bon, c'est un petit peu flou, je m'excuse. Je vais essayer de tasser cette lumière-là, des fois. Ok, ça serait trop direct. Bon, ça donnait à peu près ça, les petits bonhommes. Et j'ai trouvé mignon, mais j'ai dit, voyons donc, pourquoi je paierais quand on a tout? Puis en plus, je cherche toujours un moyen d'éliminer un peu ce que j'ai en stock. Donc, j'ai dit, ben, je vais y faire. Et là, je m'en suis fait deux, comme vous pouvez voir ici. Et j'ai dit, ben, je vais faire une vidéo avec ça, montrer à mes copines ce que j'ai fait. Ça prend un clou, comme ça. On appelle ça un clou parce qu'il y a une petite tête sur le côté. J'ai des seed beads, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, mais ça s'appelle des seed beads. Et ça, c'est des ceux qu'on trouve au Dollarama. Ils ne sont pas égaux, rien. Donc, parfait pour utiliser avec ça. Donc, j'enfile une petite seed beads sur mon clou. J'ai mes petites fleurs en sur une forme de résine. Je crois que c'est un petit plastique, là. Donc, on met une petite fleur. On met une petite paire d'ailes. Comme ça. Une petite tête de bois. Moi, j'avais des petites billes en bois dans le temps que je faisais du macramé. Donc, ça fait longtemps. Et j'ai des petites fleurs un peu comme ça, là, un petit. Donc, je m'en sers comme chapeau. Là, mon clou est un petit peu long. Alors, je coupe environ peut-être 3 ou 4 mm. Pas beaucoup, mais. Et voilà. Regardez, c'était vraiment pas beaucoup. Bon. C'était vraiment. Est-ce qu'on voit? Oui, c'était vraiment pas beaucoup, là. Vous voyez ici, là. Mais c'est juste parce que sinon, ça ferait un trop gros anneau, que je trouve personnellement. Encore là, c'est mes goûts à moi. Donc, avec ma pince pour faire des anneaux, je m'aligne le mieux possible. Là, parce que je suis en vidéo, ça va me prendre 3-4 fois pour faire ma pince. C'est toujours comme ça en vidéo, hein? D'habitude, je l'ai du premier coup, mais là, pouf! Et voilà. La fermer un petit peu plus, la redresser parce que là, pour faire exprès, parce que je voulais vous montrer comment j'étais bonne pour faire mes boucles, c'est venu tout croche. Et voilà. Bon. Donc, je vous remontre. Voici ce que ça donne. C'était pas plus long que ça. Donc, un petit clou. Sur le petit clou,
On met NC Beads. On met une petite fleur de polyester. Si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez prendre celle que vous avez. Tant que ça fait une espèce de petite jupette, là, il n'y a pas de problème. Ça prend des petites ailes. Et voilà. Une petite tête de bois. J'essaie d'en prendre une ronde. Et voilà, comme ça. Un petit chapeau blanc. En fait, clair, j'ai pas blanc. On enlève 2-3 mm sur mon rond. On fait. Voyons. Voyons. Hey, ça va pas bien aujourd'hui? Ma petite boucle. J'ai tout croché. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, hein? Bon, on va dire que c'est ça qui est ça, parce que là, plus que j'essaie de la travailler, plus croche elle devient. Donc, voici le petit résultat de mes petites. Voilà. Ça, ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre ça après un agenda, un planeur. On peut mettre ça après un junk journal ou quoi que ce soit. C'est vraiment un petit embellissement qui est mignon. Puis, j'essaie de redresser mes trucs. J'essaie de faire des trucs en vidéo, puis je sais pas pourquoi ça va toujours tout croche en vidéo. Bon, mais c'est ça. Je trouve que c'est des bien belles petites décorations qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi, un petit porte-clés, des petites annonces comme ça, le porte-clés, là. C'est mignon. On peut mettre ça avec quelques breloques et le tour est joué. Donc, c'était pour vous donner une petite idée d'embellissement. Puis, en passant, nos trucs qu'on a déjà à la maison. Alors, ça serait mignon aussi dans un petit sapin. Hein? Tu sais, les petits sapins comme ça, là. Bon, on arrête. Je vous souhaite une bien belle soirée. Puis, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto embellissement. Merci, bye-bye.